when she's with me. We're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart. Vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine photoshoot parce que vous êtes nombreux à me demander comment tu fais pour faire des photos comme ci, comment tu prépares tes cheveux, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ça. Cette vidéo est en partenariat avec Grooming Deluxe qui sont maintenant devenus mes partenaires, donc je suis hyper fière de rejoindre leur équipe. Ils m'ont donc envoyé un colis que je vous montrerai juste après, qui est donc la boîte de pinçage qui est magnifique comme ça en bois, ainsi que une petite nouveauté chez eux qui est le set de 6 brosses avec la magnifique boîte, que je vous montrerai juste après. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, le 19 et 20, donc ce week-end, je serai présente à la TDA de Barbas tout le week-end, voilà. Et petite nouveauté, c'est que sur le stand Majestyors qui sera également présent, vous pourrez voir en display tous mes produits de la Winter Collection, donc vous pourrez les voir, les toucher, et c'est aussi un avantage pour vous puisque vous n'aurez pas les frais de port à payer. Mais en plus de ça, il y aura un meet-up le dimanche matin, voilà, sur le stand Majestyors. Donc je vous reconfirmerai l'horaire, je vous mettrai sûrement un post dans la communauté YouTube et sur Instagram pour vous confirmer un petit peu l'horaire, etc. Mais comme ça, on pourra se rencontrer et puis bah, si jamais vous me voyez passer dans le concours, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Voilà, maintenant on enchaîne tout de suite avec la vidéo. Ensuite, pendant qu'on parle d'événements, j'ai un truc important à vous dire parce qu'en ce moment, c'est vrai que sur Instagram, il y a beaucoup de comptes fake qui font des jeux concours, qui essaient de vous arnaquer et j'arrive pas à le dire à tout le monde en fait, enfin forcément, vous m'envoyez tout le temps des messages en me disant ce que ce compte-là il est vrai et tout. Maintenant, du coup, pour être vraiment clair, il y a sur mon site internet un onglet où c'est le planning de Zoé où vous retrouverez tous les jeux concours, tous les événements, etc. que je suis en train d'organiser en ce moment. Donc vous saurez que c'est pas des fakes et tout le reste que vous retrouvez du coup sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, et ben c'est des fakes. Donc voilà, si vous voulez être sûr que le jeu concours c'est un vrai, que vous jouez bien au vrai jeu concours, etc. allez voir sur cet onglet là, donc le planning de Zoé sur mon site internet, c'est hyper important, je veux vraiment pas que vous me fassiez arnaquer. On va aller chercher Fidèle au prix et ensuite on va la préparer ici pour ce petit photoshoot dont le thème va être une petite nouveauté que j'ai trop hâte de vous présenter. Donc c'est parti, on va la chercher tout de suite. Bon alors avant de s'attaquer à cette routine, on va peut-être quand même commencer par déballer ces produits pour que je vous les montre un petit peu. Donc Grooming Deluxe m'a donc envoyé tout d'abord cette magnifique boîte de pansage comme ça, donc elle est en bois. Avec les petits détails dorés, donc les boucleries ici. Il y a possibilité de mettre des cadenas là pour la fermer à clé. La super belle plaque, etc. Et quand on l'ouvre, on voit vraiment que c'est une boîte hyper spacieuse, très bien organisée. Ici, on a des cales qu'on peut enlever donc complètement si on veut mettre un grand espace. Ou alors décaler, on a deux options ici. On peut donc mettre une plan un plus grand espace ici ou un plus petit comme on le souhaite, comme ça. Voilà, donc c'est une boîte vraiment très spacieuse où je vais pouvoir ranger tous mes produits de soins, etc. Parce qu'on voit quand même qu'on a de la profondeur, donc on peut mettre debout des produits de soins, il n'y a pas de souci. Ça va être un indispensable pour moi à emmener en concours sur plusieurs jours ou même juste à la maison parce qu'elle est trop belle et ça va être trop pratique. Et ensuite, pour aller avec, je vais faire voilà, Divix rejoint le unboxing. Je vais la poser par terre. Et pour aller avec, du coup, parce que bah, on peut pas avoir une boîte de pansage sans broche dedans. J'avais déjà quelques brosses de la gamme Grooming Deluxe parce que c'est vraiment des très belles brosses que j'adore utiliser au quotidien. Et du coup là vous allez voir, c'est la nouveauté comme je disais tout à l'heure. C'est que maintenant on peut acheter du coup un set de 6 pièces. Donc c'est les 6 pièces un peu de base quand on veut faire du pansage ou construire son nouveau sac de pansage. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc déjà c'est une très belle boîte. Moi personnellement je vais la garder en boîte collector dans ma chambre ou dans ma cellerie. Et à l'intérieur voilà comment ça se présente. Donc on a vraiment le beau présentoir avec les 6 brosses. Donc les 6 brosses de base. On a donc tout d'abord une brosse douce comme ça qui est vraiment toute douce à l'intérieur. On a un bouchon chien-dent. Celui-ci je l'avais déjà et pour moi c'est un indispensable. Il est génial. Celle-ci qui est trop belle, c'est une vraie belle brosse avec les poils longs pour vraiment juste faire foot et enlever toute la poussière sur le dos de son cheval. On a le pinceau, moi personnellement je suis fan des longs pinceaux parce que j'aime bien pouvoir faire comme ça et tout. Donc ça c'est vraiment trop bien.
Ici, on a la belle brosse à crin qui est également assez nouveau chez Grooming Deluxe. Donc pareil, toutes les brosses sont en bois, donc c'est super joli. Et là, on a vraiment les picots bien résistants. On sent qu'ils sont bien résistants et il faut au moins ça parce que les crins de chevaux, on sait tous à quel point c'est une galère. Et enfin, le cure-pied qui lui aussi est grand. Donc ça, c'est super pratique avec une grand boue, avec un grand bout en brosse ici qui est dur, ce qui est super parce que du coup, pour enlever la boue l'hiver, c'est super cool. Avec le petit bout en cure-pied, évidemment. Donc voilà, merci beaucoup Grooming Deluxe pour ce très beau colis et ces très beaux cadeaux. Ils sont magnifiques, je vais l'utiliser au quotidien, ça c'est sûr. Et puis bah, du coup, je vais l'utiliser déjà aujourd'hui pour cette vidéo. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge avec la marque Grooming Deluxe et moi. Donc du coup, aujourd'hui, on va remplir ma tag box en 1 minute. Top chrono, c'est parti. Et moi j'ai un autre. Je recommence. Et moi j'ai un autre challenge pour vous, un challenge qui me tient hyper à cœur. Là c'est la dernière marche pour les 100 000 abonnés. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et si on peut atteindre les 100 000 abonnés, ce serait juste génial. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire une méga surprise. Donc allez-y, c'est parti. C'est le challenge du moment. Alors, j'ai décidé de faire ce photoshoot avec Filaï parce qu'en ce moment, elle est belle, elle est toute bien tondue. J'adore sa couleur quand elle est tondue. Donc du coup, bah, je vais la mettre toute propre et après, on va enchaîner du coup, bah, pour faire les photos. You don't forget your first love. We were young and wild, we were up all night. You don't forget that summer sun 2009, we were feeling high, and I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth. Filaï, elle est pas trop poilue sur les pattes comme vous pouvez le voir par rapport à mes autres poneys qui peuvent être très très poilus. Du coup, ça rend super bien, c'est super joli, je trouve. Du coup, on n'a jamais besoin de les tourner les pattes parce que bah, elles sont pas poilues. And try to make a move. Pour un photoshoot, faut que tout brille, y compris les pieds, faut qu'ils soient bien propres, bien brillants. Donc du coup, je vais venir lui brosser et lui curer les pieds. Donc du coup, je vais lui mettre un petit coup dans les crins avec bah, ma nouvelle brosse à crins, du coup. Ça fait longtemps maintenant, donc vous le savez. Mais Filaï, elle n'a pas une très grosse queue. Ça commence à aller un peu mieux, mais du coup, c'est vrai que c'est pas la plus belle queue. En fait, elle avait une queue franchement bien correcte, bien belle. Sauf qu'après, quand elle est revenue chez sa propriétaire à cause d'une convalescence, et ben en fait, il y a un tic qui s'y est mis. Et du coup, ben, tout le milieu de la queue est parti avec. Donc pendant un moment, elle avait même plus de queue quasi du tout. Donc ça va déjà beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça, on n'y est pas encore. Hein. Là, ça y est, elle a son mariage fait, elle est à peu près propre et tout et tout. Donc là maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment chercher à embellir la tête au maximum. Donc du coup, pour ça, on va terminer un petit peu de lui faire la crinière
et la natter, voilà. Et après, je vais vous montrer un petit peu quelques petites astuces pour avoir vraiment la tête super brillante, super belle. Bon, donc là, c'est ma maman qui va pionter. Donc, du coup, d'abord, elle utilise l'EasyPion de chez Neuf. Voilà. Comme ça, un peu partout sur la chenille. Briller un peu la tête, les yeux, les naseaux, etc. Je vais me munir d'une lingette comme ça que je plie en petits carrés avec le Shine On de chez Neuf qui est un produit exprès pour faire briller. Donc ça, c'est un produit que j'utilise tout le temps pour les photoshoots, pour les concours ou autre chose comme ça. Donc je viens empiéter un peu dessus. Voilà. Et ensuite, j'ai passé la lingette un peu partout sur sa tête. Après, je vais venir utiliser, alors ça c'est un produit pour les humains, c'est de l'huile sèche pour le bronzage de base, mais du coup ça fait bien briller la peau, donc du coup je vais la mettre un petit peu sur les yeux. Alors attention, ce produit là, là il n'y a pas grand soleil, il n'y a rien, mais c'est des produits qui contiennent souvent des huiles essentielles, et l'huile essentielle ça capte le soleil et ça peut faire brûler la peau, alors faut éviter quand même dans les zones sensibles quand il y a beaucoup de soleil. Là je sais qu'il n'y en a pas beaucoup et je vais pas en mettre non plus des tonnes, donc ça va. Face to face in this trashy bar, another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music. Alors là, vous la voyez avec sa belle couverture velvet, etc. Mais de base, c'est pas censé être un photoshoot couverture, c'est censé être un photoshoot tapis, je vous parlais du produit juste tout à l'heure. Voilà, mais là d'abord je vais faire quelques petites photos pour Grooming Deluxe maintenant que les brosses sont là, qu'elles sont neuves et tout. Donc du coup je vais changer son licol et après avoir fait quelques photos Grooming Deluxe, j'enlèverai la couverture, je mettrai un petit coup de brillant sur son corps et on lui mettra le tapis. Voilà, je vais lui enlever la couverture, je vais la faire un peu briller et après on va lui mettre le tapis. On va faire un shooting aujourd'hui. Je vous avais promis des surprises. Comme vous pouvez le voir, c'est un tapis de ma marque, mais vous ne le connaissez pas. Voilà, parce qu'il est tout nouveau. Donc c'est le tapis qui va sortir ce printemps. Voilà, donc pour ce tapis, il va y avoir une grosse collection de beaucoup d'articles qui vont sortir au fur et à mesure. Mais le premier article de cette collection qui va sortir, c'est ce tapis et le bonnet qui va avec, que je vais vous montrer juste après. Celui-ci, c'est vraiment un tapis inspiré du coup de notre communauté, de la chaîne. C'est le hashtag Team Les Bonnets de Zoé. Donc c'est vraiment aux couleurs, hein, bleu marine et rose. C'est un tapis que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment très joli. Voilà, il a une super matière et tout, et il est trop beau. Donc aujourd'hui, on va le baptiser en faisant le tout premier shooting avec, pour pouvoir mettre ses photos sur les sites internet, sur Instagram, sur les réseaux et pour vous les montrer à vous aussi. Donc c'est parti. Et pour aller avec, on a le bonnet comme ça. Donc celui-ci, du coup, c'est le team hashtag les poneys de Zoé. Voilà, qui va parfaitement avec le tapis.
voilà, bleu marine et rose, il va parfaitement avec. Mais il va aussi parfaitement avec le tapis My Magic Pony. Donc si vous avez le tapis My Magic Pony, et ben il peut aller parfaitement avec. C'est les mêmes couleurs, avec les mêmes paillettes, donc ça peut aller parfaitement avec. Voilà, et comme je l'ai dit, il y aura d'autres produits de cette collection qui vont sortir au fur et à mesure. Mais les premiers à sortir, c'est ceux-là, et ils vont arriver très très bientôt. Donc tenez-vous bien au courant sur le site, car il y aura des petits teasers, des petites photos que vous pourrez aller voir. Et bien évidemment, bah, comme je l'ai dit, ils seront bientôt en ligne, donc je vous tiens au courant. Bon, là, je vais l'équiper, donc je vais lui mettre le tapis. Que je vois du coup ben, le bonnet porté, le tapis aussi d'ailleurs, et franchement je trouve ça rend super bien, il se pose très bien sur la tête. C'est aussi des choses qu'on vérifie, hein, on les teste, hein, entre guillemets. Voilà, donc je suis très contente. Allez, c'est parti pour une série de photos. Light me up, don't you stop. Cause tonight, it's on the line. Show me how you get on down. Close my eyes, take me for a ride. Bon, du coup, on a décidé de la déceler et rentrer parce qu'il y a beaucoup de vent. Et en plus de ça, en fait, là, il n'y a pas beaucoup de lumière et il n'y a pas beaucoup de végétation. Donc, dans la cour où c'était blanc, ça allait, mais tout ce qui est dehors, après, c'est pas super. Ouais, voilà, parfois c'est comme ça, on fait toute la préparation, on fait tout le, on la pionce, on la met toute belle et tout, et puis au final, bah, y a rien qui sort. Bon, ouais, voilà, cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai encore pas mal de rangements parce qu'on a mis un sacré bazar. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais tous de gros bisous. When she's with me, we're like superstars. Windows roll down.